Et s'il vous a dit chose pareille, c'est qu'il est fou. Non, non, ce n'est pas un fou. C'est un schpunz. Qu'est-ce que c'est, ça, un schpunz? Il y a un schpunz par ici? Oui, le chasseur était en train de m'expliquer qu'il ressemble à Charles Boyer. Et que si on lui donnait la chance de paraître sur un écran... Celui à qui j'ai parlé, c'est le monsieur au pantalon de golf. C'est le directeur du film. Et moi, viens ici, viens ici, imbécile. Tu t'y regardes un peu dans une glace, hein? Avec ton nez là comme une pomme de terre, tes oreilles fadades et tes jambes qui rentrent en dedans. Et tu te prends pour Charles Boyer? Je sais pas, moi, c'est ma sœur qui m'a dit. Ouais. Allez, rompez. Hein. Allez, va. Pas possible. Mais t'es jamais aperçu qu'il était idiot. Mais cher monsieur, un schpunz n'est pas un idiot. Un schpunz raisonne parfaitement sur toute chose. Il vit comme tout le monde. Il a même du bon sens. Sauf en ce qui concerne le cinéma. Quand il s'est mis dans la tête qu'il ressemble à un grand acteur, ben il le croira toute sa vie. Et on peut leur faire n'importe quelle blague possible. Ils s'apercevront jamais qu'on se moque d'eux. Et vous en voyez beaucoup comme ça? Ben, un ou deux par jour. Avouez que s'ils sont pas fous, ils sont tout au moins idiots. Oh, mais non, pas du tout. Alors, mademoiselle, voyez ce chasseur, qu'est-ce qu'il va s'imaginer? Enfin, écoutez, s'il y avait un petit point de ressemblance, hein, s'il y avait un petit air de famille avec M. Boyer, s'il y avait quelque chose dans le timbre de sa voix, comme moi, par exemple, enfin, j'ai la voix de Rému, alors, là, je comprendrais. Mais il a rien. Tandis que vous avez la voix de M. Rému. Ah oui, mais en effet, il a la voix de M. Rému. Monsieur l'a vu tout à l'heure, là, quand je causais à monsieur m'a regardé d'un drôle d'air. Parce que vous avez la voix de M. Rému? C'est frappant. Pas un schpunz. Oh non. Parce que dites-moi, j'ai pas que la voix, hein. J'ai aussi l'œil. L'œil, la façon de marcher, la bonté un peu bourrue. Mais enfin, tout, quoi. Non, pas tout, parce que j'aurais pas la place. Non. Parce que j'ai aussi ma personnalité. Ah oui. Oh oui, vous pourriez jouer des rôles qu'il ne peut pas jouer. M. Rému pourrait vous dire la même chose. Il y a des rôles où il serait peut-être un peu mieux que moi. Et qui sait? Eh oui, qui sait? Et pourtant, il est visible que monsieur n'est pas un schpunz. Ah, que la preuve, monsieur. Mais je sais que vous êtes ici pour tourner un film. Est-ce que je vous ai demandé à jouer un rôle? Ah, pas encore. Alors, ni maintenant, ni jamais, je ne demande rien. Mais si on vous demandait? Je refuserais, monsieur. Oh. Je suis forcé de refuser. Bon, la direction de l'hôtel vous interdirait? Pour la direction, vous savez, ça, je m'en fous. Quoique barman, j'ai une conscience. Écoutez, vous avez dit tout à l'heure que j'avais la voix de Rému. Hein? Oui. Eh bien, monsieur, il m'est permis, moi, de voir la chose sous un angle personnel, et de dire que c'est monsieur Rému qui a ma voix. Oui, et quoi que ce soit la mienne, je n'ai plus le droit de m'en servir. Oh. Non, parce que ce grand artiste s'est produit en public avant moi et que je n'ai pas le droit de lui faire du tort. Oh, non, n'insiste pas. Je n'ai pas le droit. Oh, pourquoi? Mes enfants, voilà un schpunz de première classe. Mais on en a vu de mieux que ça. Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé dans l'herbe, et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches, bien dissimulés. Samedi soir et France dimanche, n'en ont pas parlé. Au lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture et de quoi tricoter. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Quand je songe aux conséquences,
car par ma faute il va naître mon pauvre ingénu, qui va forcément connaître tout ce que j'ai connu, les fessées, la varicelle, le premier amour, cette grande passion éternelle qui dure quelques jours, et des tas de choses inutiles comme les traités de paix, les serments, les sergents de ville et les grands projets. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Ils t'enverront faire la guerre dans les fantassins, pour que ceux de la dernière soient pas morts pour rien. C'est ce qu'on a dit à grand-père et à ton papa. Ça revient de façon régulière, tu n'y couperas pas. Voilà mon cher petit homme, tout ce qui t'attend, parce que j'ai croqué la pomme un jour de printemps. Les heures sont parfois cruelles, mais si tu savais que je te dois la plus belle, tu me pardonnerais d'avoir été à Chaville cueillir du Allez ouvrir, ma fille. Ben, elle fera pas long feu ici, celle-là. Hein? Vous êtes nouvelle, vous? Aïe. Joyeux Noël, oh, j'avais ça. Joyeux Noël. Joyeux Noël, ma petite Elvire. Joyeux Noël. Je vous ai apporté du boudin blanc. Merci, Marguerite. Quelle bonne surprise. Joyeux anniversaire, bonne fête et joyeux Noël, Noël. Oh, chère Marguerite, elle a fait ça elle-même. Il est en pleine forme, il va très bien, mon oui, neveu. Oui, il n'y a pas que lui qui est en pleine forme. C'est le père Martinet qui nous envoie ses voeux. Il se porte très bien lui aussi, très très bien. Vous dites ça pour moi, ma chère belle-sœur? Ça devrait vous faire plaisir de savoir qu'un de vos clients a retrouvé la santé après vous avoir consulté. Bon, eh bien, on va passer à table, mais moi je vais vous servir l'apéritif. Oh, du Malaga. Alors un doigt seulement, un tout petit doigt. Très bien. Très bien. Vous trouvez ça très bien, vous? Oh, Elvire, je t'en prie. Oh, toi. Dès qu'il s'agit de ton frère, tu le défends. Mais ma chère belle-sœur, de quoi suis-je coupable après tout? Émile rêvait d'acheter une maison. Je lui apportais une affaire inespérée. Je lui avais dit que ce malheureux Martinet n'avait que pour 2 ans, tout au plus. Oui, mais ça va faire 2 ans dans un mois. Et il se porte très bien. Elvire. Mais laisse, Émile, laisse. J'ai vu bien des patients entrer dans mon cabinet en parfaite santé quelques jours après. Clac. Hein? Qui vous dit que ce malheureux Martinet va si bien que ça, après tout? Hein? Lui? Oh, si on les écoutait. J'aimerais bien l'ausculter en ce moment. Je suis sûr de ce que je trouverai. Faites ma confiance. Oh, mais ça, c'est facile. Allons tous ensemble à Saint-Tropez. Enfin, Saint-Tropez, comme ils disent là-bas. Ah, ça, c'est une bonne idée. On ira l'été prochain et on en profitera pour lui donner sa rente viagère. Ça nous fera des petites vacances. Sera-t-il encore vivant? C'est plus que l'an dernier, monsieur Galipaud. Oui, parce que l'aluminium me manque, monsieur Martinet. Oui, oui. J'ai lu dans le journal que c'est à cause de l'industrie des aéroplans. Il paraît que maintenant on en fait des casseroles. Oh, quelle horreur. On n'a pas de casseroles en aluminium chez moi.
maison est en ordre. Ça, le jour où je m'en irai, non, je veux que vous trouviez tout en état. Non. Ah non. Vous ne soyez pas volé. Voulez-vous bien vous taire? Votre santé, monsieur Lam. À votre bonne santé, monsieur Martinet. Ah bah tiens, que je vous montre quelque chose. Je vous ai planté un olivier. Là, regardez. Oh, bah, ce n'est pas moi qui profiterai de lui, là. Vous nous enterrez tous, monsieur Martinet. Vous êtes bâti à chou et à sable. Allons, allons, cher monsieur Martinet. Vous avez une santé de fer. N'est-ce pas, Léon? Je dirais même d'aluminium. Oh, est-ce que vous êtes rigolo, vous, docteur? Pardon. Oh, il me vient une idée. Si vous le sculptiez, Léon, ça va tous nous rassurer. Ça, c'est une idée. Ah oui, ça, c'est une idée. Ah vraiment? Alors ça, c'est une très bonne idée. Bon, alors, on y va, monsieur Martinet? Oh non, docteur, vous êtes trop bon pour moi. Allons. Sans vous, je ne serais plus de ce monde. Non, dites pas ça, voyons. Allez, venez. Bon, bah, oui. D'accord, mais je tiens à payer la consultation. Non, ne dites pas de bêtises. C'est ma tournée.